Lengo yo topo bola, kamo lambo kanyaso, tele mape otuna, makoloba, denge ya kombato. Lengo yo topo bola, kamo lambo kanyaso, tele mape otuna, makoloba, denge ya kombato. Dengo yo topo bola, tambo lambo kanyoso, tele mape otuna, bakoloba, denge ya kombato. D'abord, je tiens à préciser peut-être que nous sommes venus ici à Kinshasa pour une visite strictement privée, je peux dire familiale, mais n'empêche que je remercie sincèrement le chef de l'État d'avoir accepté de nous recevoir parce que c'est une obligation protocolaire, comme vous dites, responsable d'une grande institution du football continental, que je viens dans un pays, il faut que je marque un respect, une civilité au chef de l'État du pays. Donc ce qui vient de se faire là maintenant. Évidemment, on a eu la chance aussi d'être avec un de notre légende, Samuel Eto'o, que vous connaissez très bien. Donc c'est pour cette raison qu'on est venu. Pas de plan professionnel. En tout cas, voilà. Bah, écoutez, d'abord, il faut remercier le président, qui est un frère, un ami, comme il vous a dit qu'il est venu dans le cadre privé. Samuel, c'est mon jeune frère, nous sommes trop liés, d'être venu dans le cadre purement strictement privé pour me rendre la visite et en profiter aussi pour présenter les civilités au président de la République. Et je voudrais aussi donner une précision, c'est que officiellement le président reviendra pour une visite officielle et le chef en était ravi de le revoir pour une visite officielle, y compris Samuel aussi. Maintenant, en ce qui concerne les compétitions, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Il faut donner du temps au temps. Il faut que le pays, notre pays, se prépare, mette toutes les structures appropriées. Et à ce moment-là, nous pouvons maintenant nous ambitionner d'organiser les bonnes compétitions de la CAF parce qu'il faut savoir que le standard organisationnel est monté d'un cran. Et à partir de ce moment-là, Nous y pensons déjà, mais il faudrait que nous préparions avant de pouvoir amorcer. Mais c'est dans notre agenda. Écoutez, Kinshasa, c'est chez moi. Je dis toujours, je suis africain avant d'être camerounais. Donc, et en plus, en ayant des aînés comme le président Constant, c'est toujours un plaisir de revenir chez nous. Et je dis encore grand merci à son Excellence, Monsieur le Président, d'avoir pris de son temps pour nous accorder cette visite de courtoisie. Et tout en lui souhaitant bon mandat, et nous nous tenons disponibles pour ce dont il aura besoin.